الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères en islam, aujourd'hui le thème, le topic, c'est rôle de la femme en islam. Et avant nous cause directement dans ce sujet-là, nous fait un rappel, un hadith qui est très important pour surtout à l'époque qui nous fait vivre là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas » et n'a défavé qui beaucoup manjimoun fingay embêté concernant sa défavé là. « As-sihhatu wal-farah » la santé et les temps libres. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit et n'a défavé concernant lesquels beaucoup d'anjimoun fingay embêté. La santé et les temps libres. Alors quand nous guettons la majorité de d'anjimoun, si nous prenons ban kena iman même, les temps finis avec ban activité qui dans regard à Allah subhanahu wa ta'ala peine à valer. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il peut décrire ben croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun, ben croyant fin fait réussite. Après Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne une série de ben attributs, de ben qualités de ben croyant. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, ben qui détourné depuis ben futilité. Veut dire beaucoup de monde pas réalise valer les temps. Les temps c'est la vie du monde. Pareil quand Djimon gagne le mot en l'hémorragie, se disant qu'il peut aller, nous connaissons Djimon là, nous devons faire tout pour arrêter ça l'hémorragie là. Parce que se disant qu'il peut aller là, c'est sur la vie ça. Mais ça, l'étang qui peut aller là, ça même nous la vie ça. Comment nous capables, parce que nous l'étang de la banque de choses qui dans rigole, lorsque tu as la peine à valer. Alors c'est ça un petit rappel, surtout à l'époque où Djimon peut plonger dans la futilité. Des manquitures qui détournent depuis le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un rappel, nous topiquement le finir aujourd'hui, c'est position, rôle de la femme en islam. Alors nous, guettez comment din al-islam fin définir rôle de la femme. Et les bons qui nous mentionnaient, qui dans l'époque de Jahiliya, veut dire l'époque pré-islamique, avant qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amène le message de l'islam, l'époque de l'ignorance, la femme, tu peux gagner un traitement inhumain. Mais tu n'es pas être considéré comme un insan, comme un djimoun, tu peux être maltraité. Le droit de vivre même, une fille patine. Veux dire, ben arabe, quand tu peux gagner, je madame, tu accouches une fille, ça tient un grand bala, une grande calamité pour je ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran mentionné, ba'da a'udhubillahi minash shaitan rajim, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Quand un parmi eux dit peut apprendre la nouvelle de la naissance d'une fille, qui se madame finga une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, ce visage peut vivre noir, وَهُوَ كَظِيمٌ, et dit peut retenir ce collier. Veut dire, ça tient bala pour lui ça, ce figuier tu peux changer. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. L'expert caché depuis Banjimon à cause de sa mauvaise nouvelle là. Les dire c'est une la honte pour lui ça quand un petit fils prend naissance. L'expert caché. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Qu'est-ce qu'il fait? Il pour laisser cette fille là vivre et il pour laisser vivre la vie de l'humiliation. Veut dire si arrivé ça arabe là ça à l'époque là, l'expert laisse cette fille vivre, grandir, l'expert maltraite lui. Il n'est pas fait de lui aucun droit. Il n'est pas fait grandir, élever avec bonté. Au contraire, il est fait humilier sa fille là. Ou bien qu'il est pour faire soit lui enterrer sa fille là vivant. Un entre les deux. Là, ça, au moment qu'il s'en un fille qui prend naissance, sa papa là, il a sa deux choix là. Soit il laisse sa fille là vivre, la vie d'un animal, comment dire, maltraité. Ou bien lui enterrer, il finit une fois avec lui. Et ça, c'était une pratique qui était bien courante de ça à l'époque là. Imaginez, qui qualité, elle, droit de vivre, même une madame Patina. Tu peux enterrer un ben nouveau-né, une fille vivante. Et il y a un sahaba qui se fait raconter après qu'il se fait rendre dans l'islam.
Rasul alayhi wa sallam dit al-islam yajubu ma qablahu. Quand du monde rentre dans l'islam, tout le péché dans le passé est effacé automatiquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Ben sahaba, je te fais raconter qui je te fais en pièce de tifi. Et l'indien qui peut nous permettre de tifi dans sa trou là, tifi là encore tifi, tifi là peut penser qu'il peut jouer avec lui. Ce papa peut fouiller un trou, tifi là donne un coup de main pour fouiller le trou. Prends tifi là, mettre dans sa trou là, tifi là croit que ce papa peut jouer avec lui, lui aussi ensemble il peut donner un coup de main, il peut fouiller le trou. Et lisez de sa latéra le sa tifi là. Peut dire, sa papa là, il hanté sa tifi là vivant, sans froid comme ça. Qui calte, hein, traitement à l'eau la femme dit. Et c'est arrivé, sa tifila ne grandit pas, fait une prend sur la vie. Et quand il fait mourir, il est parti qu'un roi possède nanier. Si son monsieur fait mourir, il est parti qu'un roi remourir. Il est considéré comme un objet. Un démon est capable de quitter son malheur comme ça. Je fais pari, je fais ban pari. Je suis content de jouer ban arabe, je suis content de gamble, je suis content de faire gambling. Je fais payer nos autres madame, nos autres enfants. Quand tu perds, madame, nos enfants, tout aller avec sa démon qui fait gagner là. Pour montrer qu'il y a des traitements, ben, madame Tina. Mais quand din à l'islam fin vini, din à l'islam fin lève position de la femme. Aujourd'hui, ça même l'Europe qui peut dire soi-disant l'in vini pour libérer la femme, mais vous montrer comment c'est pas un mensonge. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Hajjatul Wada', veut dire un seul hajj que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait, et divan li, comme un historien raconté, il y a centaines de milliers de ban sahaba. Ça, c'était la dernière année, mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après quelques temps, Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya après sa hajj là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les divans des milliers de ban sahaba, des centaines de milliers. Et dans khutba de Arafah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une khutba qui est bien connue, qui est bien souvent vous trouvez encadrée dans la case de man musulman. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait un conseil à son ummat. Parmi les conseils que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donné, il dit ittaqullaha fin nisa, fais attention avec madame, avec ban madame, je ban épouse, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, parce que je fin prends sa ban madame là de cette responsabilité en tant qu'épouse avec le nom d'Allah. Mais je fin faire serment, je fin prends Allah comme témoin que je vais prendre sa bonne madame là dans cette responsabilité. Alors fais attention concernant bonne madame. Paix Allah ce qui concerne bonne madame. Pas faire zulum avec lui comme ce bonne haq. Alors ça, en, parmi les petites choses qui montrent nous comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin vini, poussant sa situation là, sa situation dans laquelle ben arabe tu peux vivre. Et c'est ça, à cette époque, c'était pas seulement dans l'Arabie que la femme t'y est maltraitée. C'était tout à travers le monde. Devant les autres civilisations aussi, ben grecs, ben romains, la femme t'y gagne un traitement inhumain. Alors, dîne à l'islam, bienvenue, pour élever la position de la femme. Et, une autre petite chose qui montrait encore, comment dîne à l'islam, fin montrer que la femme est là sur valeur. Et ça, beaucoup, ben, qui amènent une campagne qu'on dîne à l'islam, je n'ai pas mentionné. Je dis, eh bien, l'islam est venu pour oppresser la femme parce que dans l'héritage, madame il gagne un tiers, le garçon gagne des tiers. Je parle d'un détail, qui l'islam est venu. L'islam est venu me dire que c'est le mari qui vient faire une dépense financière ou la femme. Même si madame là, elle travaille, elle a l'argent, tout une dépense financière, ça lui incombe à sa mari là, à sa monsieur là, sa époux là. C'est pas sa madame là qui faisait sa dépense là. Quand elle peut marier, sa mahar qui sa tchfila peut gagner, li ni pour sa michila, ni li pour maman, papa sa tchfila. C'est pour sa tchfila. Mahar là, li pour sa. Et là, ben, les autres dîmes qui m'ont mentionné, qui, quand tchfi peut marier, c'est tchfi qui vous a donné un garçon, un somme, un deux. Non, le dîme à l'islam montre que c'est l'époux, sa michila, sa garçon là, li qui vous a donné un mahar à sa madame, et ça c'est pour sa madame là, sa michila, puis n'a aucun droit là, sa mahar là. Comme ça même, tu une dépense. Vêtements, nourriture, médicaments, logements, tout ça là, lui incombe à sa michée là. Même si madame là, il travaille, il n'a cela pas, il n'a pas aucune dépense pour faire lui. Ça lui dépend de sa michée là, c'est michée là qui la dépense l'eau sur madame. Ça, haq Allah subhanahu wa ta'ala fin donne à ban madame. Aussi, un autre hadith qui montre nous, valeur qui dîne à l'islam fin donne à la femme. Et, tchelen sahabi, fin fin que Rasul sallallahu alayhi wa sallam li dit ya Rasulallah man ahakka bi husni suhbati, ya Rasulallah qui s'en a qui plus mérite
mot l'attention, moi j'aime mieux envers lui. Qui sont là qui méritait que moi j'aime mieux envers lui. Mon appris des voies responsabilité envers lui. Lorsque cela allait wa sallam, j'ai dit Oumouka, ton maman. Sahabila lui repose la même question, lui dit Thumma. Ensuite, qui sont là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Oumouka. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa personne lui repose la même question. Il dit ensuite, qui sont là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Oumouka, ton maman. Trois fois. Trois fois, ce sahabila pose la question. Qui sont là qui disent moi j'aime mieux envers lui. Qui s'en a pris beaucoup Haklo, moi. Il dit ton maman. Trois fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne la même nouvelle. Même réponse. Et en quatrième position, Rasulallah étant les pose quatrième fois la même question, Rasulallah alayhi wa sallam dit Abouka, ton papa. Trois fois Rasulallah alayhi wa sallam fin d'une priorité, lui une maman, lui une papa. Pour montrer comment din à l'islam fin vini pour aider la position de la femme. Mais comme ça même, avec tout ben droit, ça c'est lit bien en bref. Ben droit qui dit à l'islam puis donne à la femme. Ça lit en bref. Mais ensemble avec ban droit, il y a ban responsabilité, il y a ban devoir qui incombe à la femme musulmane. Alors, nous qui t'en dit, qui ça ban devoir là, qui ça ban responsabilité là? Alors, ce moment là, qu'il y ait une créée insane, qu'il y soit homme ou femme, pour son adoration, pour son ribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ou pas une créée insane et djinn, excepté pour mon adoration. Alors, nous avons un devoir, un responsabilité qui est un monde envers le Créateur. Et si, aussi, nous avons un devoir, une responsabilité envers la créature. Alors, nous avons un devoir de la femme envers son Créateur. Devoir de la madame envers son Créateur. Et pareil que moi, Michel, il n'y a aucune différence. Tout ça va être pilier de l'islam. Après qu'il nous fait un iman, premier pilier qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, premier devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait impose dans l'insan, qu'il soit homme ou femme, c'est la salat. Alors, elle, madame, il est responsable, il vient des choses de sa responsabilité de salat. Et un monsieur qu'Allah ta'ala fait donne lui l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit, dans tout bateau, il y a un capitaine. S'il y a des capitaines, pourquoi pas diriger ce bateau-là. Dans un pays, il y a un seul premier ministre. Dans l'école, il y a un seul recteur. Dans une classe, il y a un seul professeur. Pas capable d'un qui est égal dans ce statut pareil avec lui. Sinon, il y a des gars, il y a des autres. Comme ça même, dans l'institution familiale, il y a quelqu'un qui a l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wali rijal ya alayhinna daraja. Ban homme fin gagne un degré de plus que ban madame. Il y a une responsabilité. Les autres sont responsables pour ban madame. Alors, un monsieur. Il ne fallait pas qu'il seulement lui veille à ce qu'il lui peut faire ce soir-là seulement, mais il lui inquiète aussi sa famille, ce madame, ce tifi, ce garçon dans la case. Alors ça, c'est très important. « Yaïwa alladhina amanu, qu'ou anfusakum wa ahlikum nara, obankina iman, protégez votre même et votre famille depuis le feu de l'enfer. » Alors Michel lui disait « Guettez à ce qui ce madame peut accomplir responsable, son devoir envers l'asmoïta. » Alors nous guettez. Comment, ben madame du prophète, ben sahabiyat aussi, comment je peux respecter l'obligation que j'ai tenue envers le créateur? Une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre la case, et il finit trouver en des colonnes, en tasse de la côte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais qui était ça? Avec ben madame qui était la case, mais qui était ça? Ben il dit, Hada Hablun, li Zainab, ça en la côte, qui Zainab finit tassé. Quand il fait un salat, il dit Nawafil, Tahajjud, Qiyamul Layl. Quand il est fatigué, il y a pili, il attrape sa la peau, il diminue le salat, le résidu de salat. Rasulallah alayhi wa sallam dit Hullu, non, l'autre sa la peau là. Il dit qu'il y a un parmi eux, il fait un salat d'après son courage. Quand il est fatigué, il dit Nawafil. Quand il est fatigué, il a arrêté, pas fait exagération dans l'ibadat. Ça pour montrer nous qu'il n'y a pas seulement un salat obligatoire, ça va être madame, tu peux préserver, mais aussi un Nawafil. Hein, tu peux. Veillez à ce que je fais beaucoup de nawafil pour Allah ta'ala. Comme ça même si nous avons des zakat, sadaqa, tout ça là aussi il y a une responsabilité de madame. Comment nous finir dire, dis bien une madame avec un Michel il sépare ça. Ça qui sa madame là possédé c'est pour lui ça. Sa madame là se dit bien ça. Si il y a la paix, ça il pour lui. Il y a un roi, si elle veut lui, comment il compte. Naturellement ce Michel dans la difficulté, il est bien être ce Michel, ça il y a un devoir là. Mais sinon, si Michel là n'a aucun besoin de sa la paix là, il n'y a pas de droit de toucher la paix de ce madame. Alors, il dit que c'est zakat, l'eau, ça, ça dit bien, ça l'eau, ça bijou, ça l'argent qu'il fait ramasser avec ce bonne condition qu'il est là. S'il fait un an,
Et s'il arrive à peine nisab, alors il vient chez Zakar. Aussi, Sadaqa, il est très important. Surtout Sadaqa, Rasulallah alayhi wa sallam, il est spécifié ban madame. Rasulallah alayhi wa sallam dit, Ya ma'shara nisa, ou ban madame, tasaddaqna fi Sadaqa, fa inni ra'aytukunna akthar ahli nar. Parce qu'il me fait trouve dans l'enfer, plus beaucoup ban habitants du feu de l'enfer, c'est ban madame. Rasulallah alayhi wa sallam dit, ou ban madame, fi Sadaqa. Parce qu'il me fait trouve plus beaucoup ban habitants du feu de l'enfer, c'est ban madame. Veut dire, le conseil qui fait une apportée pour la madame de ce ummat, c'est qu'il vient faire beaucoup ça d'accord. Comme ça même, quand nous avons suyam, rosa, nous avons un sahabi, un sahabiya, une madame, qui peut rapporter comment tu peux préserver ça, qui appelle suyam, rosa. Al-Rubayya, qui appelle sa madame là, il dit, Kunna nasumuhu, wa nusawwimu subyanana as-sighar. Il dit comme ça qu'il peut préserver sa rosa là, veut dire, les causes concernant Rosa de Ashura, c'est-à-dire Dijam Muharram, qui est un grand un sunnah qui est très recommandé pour faire sa Rosa là, Dijam Muharram. Les dit tu peux garder sa Rosa là, nous, c'est-à-dire ben madame de sa époque là. Et pas seulement lui, ben madame de sa époque là, tu peux préserver sa Rosa là, tu peux observer sa jeune là. Ou alors, soit, oui, mon, c'est bien, tu peux faire nous, ben enfants, petits enfants, garder sa Rosa là. Et qu'est-ce qu'il dit? Les dit tu peux faire ben jouer en la laine. Et nous, tu peux, quand ça m'a des enfants là, tu peux plaire naturellement aux autres enfants. Rosa pas obligatoire aux autres, mais tu peux traîner aux autres enfants. Quand ça des enfants là, tu peux plaire, les dit qu'il fait, tes enfants ça. De nous autres, ça m'a joué en la laine là, pour se oublier, jusqu'à qu'arrive l'Iftar. Guettez sa madame là, et ben sahabia de sa époque là, je te comprends qu'il veut dire ribada, qu'il veut dire observe l'adoration d'Allah ce matin là, qu'il veut dire, hein, reste dans l'obéissance à Allah ce matin là. Et tout ça là, il n'a pas bien fait pour un djimoun. L'eau lui-même. Et aussi, comment tu peux traîner ses enfants, ses bons enfants, pour observer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Hajj, ben madame aussi de cette époque, de tu prends compte ce qu'appelle sa ribada, sa grande ribada qu'appelle Hajj. Si une madame, tu viens que tu sallallahu alayhi wa sallam, tu as un petit enfant de Sulami. Il fait laisser ses enfants là-haut, et il fait dire Ali hada Hajj, ya Rasulallah, est-ce qu'il y a un Hajj pour ses enfants là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Naam, walaki ajrun. Certainement, il y a un Hajj pour lui. Et il peut gagner sa récompense. Ça veut dire, naturellement, Hajj n'est pas obligatoire pour les enfants. C'est qu'il peut dire, si tu peux faire Hajj, tu as envie, amène ces enfants-là avec toi, tu peux gagner une récompense. Tu es capable d'amener ces enfants-là avec toi, tu peux gagner une récompense. Ça veut dire, get comment ça va, madame-là, je te fais observer un ribada pour Allah SWT. Et ribada, c'est même qui protège un du monde contre beaucoup de choses mauvaises. Par exemple, Salat. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, salat li éloigne un djiboun de ban kitseuse qui péché, qui immoral. Si un djiboun vraiment lui observe salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça développe taqwa dans lui. Ça développe un iman dans lui. Et il vient conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut observer lui. Et ça lui éloigne depuis le péché. Alors, tout ce ban ribadat là, est aussi important que ban madame préserve. Comment ban Michel aussi? Mais ici, il nous cause le rôle de la femme, responsabilité de la femme. Alors, il est très important pour ban madame observe sa ban ribadat là. Alors, ça, c'est en ce qui concerne ban devoir qui a une madame et n'a envie à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on veut ban créature. Naturellement, maman, papa, ça nous tout connaît. Maman, papa, qui a été l'islam qui met l'emphase, l'obéissance, maman, papa. Dis-moi encore envers qui une madame elle a beaucoup de responsabilités, elle a beaucoup de devoirs, c'est ce monsieur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Kullukum ra'in, un long hadith, Kullukum ra'in, wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Je tous un ban berger, et chaque berger lui est responsable pour ce troupeau, il peut être questionné concernant ce troupeau. Bon, Rasul alayhi wa sallam continue, il mentionne chacun de ses responsabilités. Après, il dit Wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha wa hiya mas'oula anha. La femme, c'est un berger dans la case. Fi bayti zawjiha, dans la case, ce monsieur. Wa hiya mas'oula anha, et il peut être questionné concernant la case de ce monsieur. Voilà la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre. Première responsabilité envers une créature, la case de sa Michela. Michela, il se travaille, c'est il travaille, il amène l'argent dans la case, il fait toute une dépense, toute une nique, qui ça, madame là, bizin. Madame là, ce devoir, lui, c'est guetter à ce qui la case de ce Michela, elle est en bon état, elle guette la case de Michela, elle guette ses enfants.
les pièces à la case là, viennent une source de confort pour ce monsieur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran mentionné وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Parmi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il fait une crée depuis eux-mêmes أزواج, ban épouse, ban épouse لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin qu'ils cohabitent avec sa bonne épouse là. Le mot taskounou nous gagne le mot sakina, tranquillité, afin qu'ils gagnent tranquillité avec sa bonne madame là. Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et Allah lui fait mettre mawadda, l'amour, et rahmat entre les deux. Vous savez, c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qui rôle de la femme et aussi comment bien vivre, qui bien entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce signe, ça, les films créés depuis eux-mêmes. Je te bande madame. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit créer Adam, les films créés Hawa depuis une partie de Adam, même, alayhi salam. Ça même qui peut dire, les films créés depuis eux-mêmes, je bande épouse. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée Hawa depuis Adam, alayhi salam. Depuis une côte de Adam, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, c'est ce signe, ça, les films créés depuis eux, je bande épouse. L'itaskounou ilayha, afin que je te gagne tranquillité, je te cohabite en harmonie, avec la paix avec sa bonne madame là. Là, nous trouve l'importance. Get, et madame, c'est une source de confort pour ce monsieur. Hunna libasul lakum. Ben appelé grand éloquence qui ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une petite expression pour montrer beaucoup qu'il chose. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit, le Coran se ban pèl. Tellement il y a beaucoup de choses qui prêchent dans le Coran. Aujourd'hui, du monde peut perdre des temps avec des choses futiles. Et tant il y a des choses futiles, quand il est capable d'attraper Allah subhanahu wa ta'ala ce livre et lui étudier parole Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait aller rapprocher avec ce créateur, qui vous amène tranquillité dans la vie, qui vous améliore sur l'akhirat, il peut perdre ce temps avec des choses futiles. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sa bonne madame là, c'est un vêtement pour eux. Et quelle expression Allah subhanahu wa ta'ala. Expliquer qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala cette expression là. Sa bonne madame là, c'est un vêtement pour eux. Et eux aussi, c'est un vêtement pour eux, bonne madame. Qui veut dire liba, ce vêtement. Quand vous mettez un vêtement le haut, ce vêtement là, il prend avec ou la peau. Il protège contre salir, contre fraîcheur. Il cachette au défaut, il cachette au l'écho. Sa madame là, sa michel là, pour un à l'autre, c'est une source de confort. Sa qu'elle protège son camarade. Contre le péché. Saint-Michel-là, il trouve dans ce madame Sakina, tranquillité. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut définir qui veut dire être une épouse. Allah subhanahu wa ta'ala dit Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Allah lui fait mettre l'amour en Dieu et rahma, pitié, merci. Allah ta'ala est capable de manger une zis, mawadda, l'amour, seulement l'amour. Mais non. Si nous disons dans une coupe seulement besoin de zis l'amour, sa coupe là bientôt il peut écraser, il peut casser. Zis l'amour il pas suffit. Parce qu'il y a un moment dans la vie, quand ça quand il est en colère, une personne ne peut pas ressentir, pas éprouver l'amour pour ce prochain. C'est même c'est une situation qui est arrivée ça. La vie est comme ça. Il y a une situation, quand le problème est levé, il n'est plus éprouve l'amour pour chacun va éprouve l'amour pour ce prochain. Mais qui bizarre il a en même temps Rahma. Il peut juste pour ce moment là, c'est un moment de colère là. Dans ce moment de colère là, qui n'est pas pour durer un temps, s'il n'est pas qu'on gère ce problème là, il n'est capable d'amener quelque chose de plus grave. Et Allah ce moment là, il mentionne Mawadda avec Rahma, pitié. Quand l'amour est fini, dans ce moment là, quand pas ressenti l'amour, qui bizarre il a besoin de Rahma, pitié. Ça quand même pitié pour ce prochain. Là, ça coupe là, les durées. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône nature insane. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Est-ce qu'il n'est pas con quelque chose qu'il est fini créer, wa huwa al-latif al-khabir, et c'est lui qui compte tout en détail. Al-latif veut dire, c'est lui qui compte tout en détail. Khabir, c'est lui qui vient informer. Allah, l'icône nature bout en bout. Il connaît quelque chose qui nous fait face dans la vie de tous les jours. Il connaît nos caractères, il connaît qui nous était. Un démon est capable d'être un ange, est capable d'être un animal aussi en même temps. Tous les deux, parfois, ils présentent un démon. Alors, devant le moment qui est dans ce moment pour Allah, de toute ce sagesse qui est là, ce hikmah qui est mentionné, Mawadda ne peut pas finir avec là, wa rahma, pitié. Ça, une petite chose qui est bien présent. Alors, Allah peut montrer que sa madame là, c'est une source de confort pour ce monsieur. Quand ce monsieur là peut rentrer la case, il est content pour rentrer sur la case parce qu'il connaît, il y a quelqu'un qui peut accueillir lui. Après que ce monsieur là, Déo et en Déo la case,
Aujourd'hui, beaucoup peuvent penser que quand madame peut quitter la case pour travailler en déo, pour gagner un gros salaire, puis croire une belle affaire ça. Hier, moi dans la banque, je peux Djibout, je peux attendre mon tour, et madame peut travailler. Et mais tu sais, nous sommes à la caisse là. Hier vendredi, la banque ouvre sa 5e ou 14. Un long la caisse, madame là, tu sais, le sa comptoir là. Imaginez, il peut deal avec casse. Il peut deal avec casse. Et du monde peut venir vers casse, peut venir tirer casse. Là, s'il fait un erreur, il tue l'eau là. Et du monde, il passe avant moi, il peut cause avec sa madame, il connaît sa madame là. Michel là, il dit, pas facile, hein. Madame a dit, oui, moi j'ai esclave. Get aujourd'hui, peut dire oui, nous, quand nous, madame peut travailler en bio, il peut venir une femme épanouie, il peut venir une femme développée. Esclave. Aujourd'hui, une société fait la femme une esclave. Alors qu'il dit dans l'islam, il dit nous que la femme c'est une la reine qui vient préserver dans la case. Une la reine qui ne fallait pas personne servir comme un esclave, esclaves, les existe pour son michier. Une la reine qui peut être exposée, ça tout un regard mal propre et lui. Ça qu'un petit plaisir satanique avec sa madame là, de ce travail. Les pays, ce bande collègue, tout, comment le connaît, beaucoup de problèmes maintenant en déo, dans le bureau. Beaucoup de choses qui. Madame subit beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, peut dire, nous soit disant l'islam qui peut oppresse la femme et l'Europe qui peut libérer la femme. Ça, madame, peut dire, comment dire, esclave ici. Alors vous trouvez, ça, madame, elle peut retourner sur la case. Mais qui est pour. Imaginez-nous, un dimanche, on travaille la journée. Les bougains étant guettent ce monsieur. Les bougains étant guettent ce enfant. Comment psychologiquement, comment il a affecté ça, madame-là? Comment les poulots se nier sur la case? Il n'est pas pour gagner le temps, il n'est pas pour content pour guider ses enfants, il n'est pas pour content pour les enfants, il n'est pas pour content même pour élever les enfants. Parce qu'il est fatigué, naturellement, il travaille en bio, il est fatigué. Et elle a même qui beaucoup de problèmes qui rentraient. Mais c'est là, il est fatigué ce côté, madame, il est fatigué ce côté. Dès que je suis fatigué, une jeune. Alors, qui peut arriver? Imaginez, où est-ce que capable de comprendre? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nisa allati tasurruhu idha nadhara. La meilleure de bonne épouse, de bonne madame, c'est celui qui, quand son Michel Getli, Michel est content, satisfait. Il a une fraîcheur pour se ligier. Et non pas madame Andéo. Michel n'est pas tiré plaisir avec madame Andéo, non. Ce madame de sur la case, ça madame-là, il a satisfaction. Il est content quand il dit ce madame. Ça a un plaisir, une fraîcheur pour se ligier. Hein, pour ça Michel-là. Rasoul alayhi wa sallam dit, meilleur de bonne madame, c'est celui qui, quand son Michel Getli, il est satisfait, il est content. Et quand sa Michel-là ordonne sa madame-là, madame-là obéir. Ça, c'est meilleur de bonne madame. Alors, ça même, nous avons encore un hadith pour montrer, pour encore une petite explication. Une madame, une fois, fait une que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une nécessité, un besoin. Quand il finit, il va me poser une question, je ne sais pas quoi. Quand il peut aller, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa madame-là, Ava tu zaoujin anti, où est-il? Est-ce qu'il y a une madame qui mourit? Madame a dit, Naham, oui, moi, madame qui mourit. Rasoul alayhi wa sallam dit, Fakaifa anti lahu. Qui position, qui manière tu agis avec ton monsieur? Qui te position vis-à-vis ton monsieur? Madame a dit, Ma alouhu, illa ma ajizu anhu. Je ne peux pas avoir un manquement envers mon monsieur, excepté quelque chose qui n'a pas la capacité. Ça, il compris. Mais dire quand si Michel a dit qu'il fait quelque chose qui n'a pas la capacité, naturellement, il n'y a pas à faire. Madame a dit, moi, je ne peux pas avoir un manquement envers mon monsieur, excepté quelque chose qui n'a pas la capacité, naturellement, il n'y a pas à faire. Guide qui reste là, le voici, la m'a madame là. On dure un antiminhu. Guide bien. Quitte position vis-à-vis de monsieur. Fa innahu jannatuki wa naruki. Parce qu'il s'en Michel là, ça même te paradis, ça même te l'enfer. Rasoul alayhi wa sallam dit, guide bien ta position vis-à-vis de Michel, guide bien que moi te peux agir avec lui, parce qu'il s'en même Michel, c'est te paradis, c'est te l'enfer ça. Mais dire si tu agis bien avec lui, il est satisfait avec toi, ça, Michel là, il peut venir moigner pour te rendre dans le paradis. Mais s'il est déplaît avec toi, ça même te l'enfer. Donc nous trouvons qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin donné à un Michel ou à une madame, Rasoul alayhi wa sallam dit, لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه وسلم dit si moi tu es là pour donner un être humain, un bachar, un humain pour faire sijda pour un autre humain, moi tu peux ordonner une madame faire sijda pour son miché, moi tu peux ordonner une madame faire sijda pour son miché. Voici, mais c'est bon, pas gagner, faire sijda pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, pour montrer nous, quand tu es hap qu'un miché dans le sur madame. Mais dire que ça qui pointe, ça va d'amener naturellement de l'obéissance à Allah. Pena l'obéissance de désobéissance. Si Michel a fait une petite chose qui
qu'il a désobéissance à Allah, ça peine à l'obéissance. Mais aussi longtemps qu'il a capacité, pénas de l'homme, il a capacité, sa madame-là, et dans siècle de banjuti de sa madame-là, si Michel a fait ordonner, madame-là, les besoins, obéir à ce Michel. Aïcha radiallahu anha, Aïcha radiallahu anha, il dit qui, quand ce Michel, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu le fais i'tikaf, comme on le connaît, sallallahu alayhi wa sallam, sur la case, il dit juste à côté masjid, il dit tu es adjacent. Attaché avec masjid, mais si nous avançons un rideau, nous gagnons la case de Rasulallah alayhi wa sallam. Il dit que Rasulallah alayhi wa sallam, tu es dans l'i'tikaf. Rasulallah alayhi wa sallam, tu peux avancer le rideau, tu peux mettre sur la tête de sur la case. Moi, le connais, il n'est pas vraiment quitte masjid quand il peut faire l'i'tikaf. Rasulallah alayhi wa sallam, tu peux prendre sur la tête, tu peux traverser sur la côte et Rasha radiallahu anha, tu peux peindre ses cheveux. Pourtant, il y a une petite chose qui est simple. Rasulallah alayhi wa sallam, même tu ne peux pas faire ça. Mais pour montrer jusqu'à quel point. Qui Aïcha radiallahu anha dit tikir pour Rasulallah alayhi wa sallam. Ça pour montrer comment belle madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui obéit, qui tikir, qui prend compte de Michi. Et aussi l'autre responsabilité que Rasulallah alayhi wa sallam dit wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha, une madame y a un béager de la case de Michi, y compris la danser. Et madame là, elle est responsable pour élever sa bande d'enfants. Naturellement, papa aussi a ce rôle à jouer dans le Coran, quand il y a sur la Luqman. Et la conversation entre un papa, c'est-à-dire Luqman alayhi salam, avec ce garçon. Pour montrer qu'il y a un papa, il peut faire tarbiya. Il peut éduquer ce garçon. Ça, il y a aussi responsabilité de ben, papa. Mais il y a un grand port là-dedans à incombe à ben, madame. Et généralement, c'est ben, madame, dans 15 enfants, il peut grandir. La plupart du temps, c'est ben, madame qui occupe ses enfants là. Les enfants-là, ils piquent avec son maman. La cause, c'est que le Wassalam, il y a des gens qui méritent plus de te résister sur le. Il a plus pour hack l'autre, c'est ton maman. Parce que sa maman-là, c'est lui-même qui a élevé ses enfants-là en vérité. Papa, généralement, lui, la plupart du temps, il travaille, il est en dehors de la case. Alors, sa madame-là, sa fille-là, la femme musulmane, il est responsable pour ce bain des enfants. Mais aujourd'hui, qu'est arrivé? Ce bain qui chose qui lui peut dire là? L'éducation séculière qui nous enfants gagnent et ça l'image qui ses enfants là, sa fille qui peut grandir là, il gagne la télévision, d'abord un film qu'il peut guetter, d'abord un livre qu'il peut lire, les autres qui sait qu'il est là à enseigner. Veut dire que les bouquets de télévision, il peut trouver madame là, il a une gros lecteur, il a une grande position dans un bureau, il a un collègue, monsieur, madame, et madame là, il a une gros lapin, c'est ça l'image qu'il projetait à nos bons enfants. Alors, naturellement, aujourd'hui, une fille qui va le marier, il n'est pas content pour gagner des enfants parce qu'il est là pour travailler. Il est déjà travaillé en dehors de la case. Son priorité en dehors de la case. Si arrive aussi, il est d'accord pour gagner des enfants, alors il est pour prendre 3 mois congé maternité. Ça donne ça. 3 mois congé maternité, commence à 3 mois congé l'aine, fini, qu'il est pour faire. Si il y a une nanani pour quitter avec une nanani, sinon, qu'il est pour faire, il est pour prendre des enfants, il est pour mettre dans la crèche. L'autre qui pour grandir ses enfants là. Parce qu'il a besoin de travail, il a besoin de gros la paye. Parce qu'il a besoin de faire progrès dans la vie. Et progrès, c'est seulement le progrès matériel qui est important. Ce qui est important, nous avons un gros compte dans la banque et on a beaucoup d'argent. Quand même dans la case, il y a l'harmonie. Quand même dans la case, il y a ce qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné. Quand même ça, la case, il y a l'harmonie, il y a ce qui est la tranquillité, pas fait n'en y. Pour vivre, il y a un gros le tout. Pour vivre tous les jours, il y a un nouveau qualité de vêtements. Il est capable de suivre la mode. Pour vivre capable de faire une extravagance qui nous peut quand mettre compétition avec nos prochains, capable nous peut capable sans nous mettre chaque année, nous mettre nouveau meuble dans la case, nous peut capable sans nous rideau chaque année, nous peut capable sans un loto chaque année, ça qui est important. Mais sa rôle pour grandir un enfant, ça n'est pas important pour moi parce qu'il est là pour travailler. 3 mois, qu'on dit ça assez, mon assez moi, assez nous mettre de la crèche. Un parmi une parole qui un lipen hadith lipen al Coran nous capable prendre nous rejeter aussi parce que parole d'un insane, un insane il fait rire. Un chef, un femme occidentale, qui cousin quelque chose, il dit comme ça. Ça qui nous peut trouver aujourd'hui, ben enfants, quand j'ai maman, papa, une vieille, prend sa maman, sa papa là, met dans la car, met dans home, met dans ben pensionnat. Vous connaissez dans l'année, tu as une canicule, un bac chalet qui se traversait dans la France. Beaucoup ben vieille du monde qui mou. Et ben du monde pas tu connais. C'est qu'en facteur, tu es venu qui peut gagner le dire. Là, là, plusieurs cas finissent arriver comme ça dans la France, tu as une année, tu as ça. Sa canicule là, tu traverses sa savac chaleur là, ben du monde filmo, ben vieux du monde, hein, ben beaucoup de vieux du monde filmo. Et du monde pas film connu, parce qu'il est tout seul. Les là, nous avons découvert dans la société là qui est là. Beaucoup de vieux du monde, je reste tout seul dans la salle, puis il n'y a personne qui vient de dire,
quand tu fais mot, après plusieurs jours, jour qui ben dimoun fin connaît qu'il y a un dimoun qui fait mot ici. Parce que personne pas fréquent de devenir vieux. C'est ben laisser pour compte ça, mais Dieu t'a côté ça quand il devient vieux. Ben enfants, ils allaient quitter, ils finissent à rien à travail, ils payent toute la vie. Sachez pas les dire comme ça, qui sa même enfant, qui sa maman là, il prend une foudre dans la crèche. Non, il ne peut pas limiter, une foudre dans la crèche. Pauvres enfants là, qui les visent tendresse de sa maman là, il peut grandir ses enfants là, les visent sur maman. Il ne peut pas comprendre, non, les pauvres enfants là, l'âge de 3 mois, il peut prendre, il peut mettre dans la crèche. Et c'est tantôt qu'il les retrouve sur maman. Quand sa maman est fatiguée, ça aussi, maman là, il a beaucoup de temps avec lui. Il y a la cause ça, qui aujourd'hui, mes enfants, ils prennent juste maman, papa, ils prennent, ils mettent dedans. Peut mettre dans pensionnat, peut mettre dans home, peut oublier eux. Parce qu'il a tchikti, ses enfants n'ont pas fini de faire un hack qu'il a. Sa parent n'a pas fini d'accomplir un hack de ses enfants là. Alors, ça c'est une conséquence de sa action là. Alors, comment nous venons dire responsabilité pour élever les enfants. Ça c'est une grande responsabilité qui incombe à la femme. Guette sous récompense. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes capables de servir nous l'esprit. Nous sommes capables de dire non, mais la femme, les bizarres, elle a sa qualité rôle là. Les bizarres, elle a sa qualité rôle là. Nous, l'esprit, les faibles. Quand vous êtes autour de vous, à travers le monde, il y a une désorganisation de la société. Tout qui se en bas là-haut. Tout qui se en bas là-haut. Parce qu'il fait ne pas respecter l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté. Allah subhanahu wa ta'ala a fini de déterminer chacun ce rôle. Il y a un événement qui est arrivé dans l'époque de Rasul alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha dit la case. Une madame miskina, une madame pauvre, fin vini. Ça à l'époque là, du monde qui pauvre. Même madame du prophète qui pauvre. Une miskina, fin vini, quand Aïcha, avec lui, des petits filles dans son armée. Des petits enfants, des filles. Aïcha, il finit dire trois tames. Il finit dire trois tames, il finit donner sa madame là. Madame là, fin prend un tame, des tames, il finit mettre chacun dans ses enfants là, chacun il donne un N. Et il finit garder un pour lui. Les temps sur deux petits enfants, ils finissent manger. Les temps maman là, ils prennent pour lui manger. Ça, des enfants là, ils reprennent pour cette maman. Maman là, qui finit faire, madame là, finit prendre sa tam là, elle finit casse li en deux. Chaque côté de tamra, elle a kanat turidu an ta'kulaha, elle finit casse tam qu'il a envie de manger en deux. Et elle finit donner chacun la moitié, la moitié. Aïcha radiallahu anha, elle finit guette sa scène là. Elle finit émerveillée pour sa scène là. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit retourne la case, il finit raconte cet événement-là à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah fin fait paradis bin obligatoire de sa madame-là à cause de sa action-là. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait paradis bin obligatoire de sa madame-là à cause de sa action-là. » Ce hadith-là, il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans, chers frères, sur l'islam. Sa maman-là, sa tracas, sa pitié, sa mercy, qu'il finit pour ses enfants. Il finit casser sa bout de tam-là, lâche-moi-t'a-là, finit de nuit paradis là pour ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas envie, beaucoup de filles qui peuvent mourir, pas content pour les enfants. Et pas envie de maksat de nika. Et maksat, qui, beaucoup de monde ne connaît pas ça. Je pensais qu'il. Dans l'islam, nikah c'est une protection. C'est même premier objectif. Protection pour la femme et l'homme. Mais dire pour la fille et le garçon, c'est une protection du côté des autres désirs. Non, ça c'est pas premier objectif. Oui, c'est pas même un objectif. Le premier objectif du nikah c'est nasl, les enfants. Gagner les enfants. Bizarre, Allah, Rasulallah alayhi wa sallam dit Tazawwaju al-wadud al-walud. Mariez avec une madame qui est affectueuse, qui est capable de gagner beaucoup d'enfants. Ça marque ça, premier marque ça. Fa'inni mukafirum bikum al-umam. Parce qu'il m'a même plus beaucoup suivi le jour du Qiyama. Veut dire que la terre a besoin de peupler avec des serviteurs qui pieux, des gens qui sont salih. Veut dire que des gens qui sont comment on peut beaucoup d'enfants qui pour grandir, qui pour travailler pour vivre dans l'islam, qui pour faire ribaret pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que la terre peuplée avec beaucoup de gens qui pieux, qui ont iman, qui ont iman d'art, afin qu'il y ait l'ordre de la terre là. Sa première maqsad de Nika. Après, il y a les autres, l'objectif. Aujourd'hui, pour grandir les enfants, un tracas ça. Une femme dans l'aquarium, qui vend poisson, vend des animaux, tout ça. Qui a un poisson, un vilain poisson, une drôle qualité. Un dimon peut avec sa madame qui travaille là, mais qui ça poisson là, sa madame? Madame, elle appelle ça poisson lézard ça. À ce moment-là, sa madame qui travaille là, on dit madame, aujourd'hui, tout cas, tes animaux, un dimon bureau de soigner. Iguane, c'est pas écureuil, c'est pas qu'ils histoires. On dit, mais si les enfants, ils ne veulent pas les soigner.
Tous les animaux qui disent qu'ils ont envie de soigner aujourd'hui, tout cas, les iguanes, ce n'est pas des enfants qui disent qu'ils ne peuvent pas les soigner. Sa mentalité qui est en train de développer. Tout ce qui peut venir en bas là aujourd'hui, de ça le monde qui ne peut vivre là. Alors, ça récompense quand une madame qui grandit un enfant, un poète qui dit Al-mar'atu madrasatun idha a'adattaha a'adatta jaylan tayyibal a'raqi. Un poète qui dit la femme, c'est un madrasa, c'est une université, c'est une école. Quand tu fais une prépa, sa fille là, tu fais une prépa à une bonne génération. Veut dire, si la femme dans la case dit droite, dit pieuse, dit vertueuse, sa génération qui peut grandir là, c'est une génération de bandimoun qui pieux, ban imanda, bandimoun qui n'a pas quoi. Si sa maman là dit bon, sa enfant là, il peut venir pareil, il peut suivre. Et un enfant, il suit son maman, papa. Alors, ça, l'importance pour nous, aujourd'hui, quand nous t'y à l'école, bien naturellement, et puis on prend pour venir un professionnel. Quand vous pouvez ça va un problème qu'il y a dans l'école, ça va existe. Vous connaissez, ça grinant ça. Un frère, il rentre dans le magasin, une fois là, il peut raconter, il dit l'eau, la gorge va quoi. Ben, tu fais une école islamique. Avec ce hijab, je suis avec garçon, on peut faire tout cas des cinémas. Cinéma, l'eau, la gorge. Jusqu'à ce que je t'attrape, contrôlé. Ben, tu fais l'attrape, contrôlé, je viens, viens dans ces gâteaux ici. Tu fais musulman, fréquente l'école islamique. Aujourd'hui, ça l'éducation qui peut donner nos enfants là, c'est pour faire les vignes professionnels. C'est pour faire les vignes du monde qui est capable de travailler pour apporter l'argent dans le pays. C'est tout. Pas plus que ça. Quand même, pour venir apporter l'argent, pour venir les moyens pour payer gagner l'argent. C'est ça, Marcel, de l'éducation, c'est qu'il y a que nos enfants gagnent dans l'école. Et non pas, c'est pas une éducation pour faire les vignes un humain. Pour vivre comme un insan, comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif de sa éducation. Dans l'école, beaucoup, en fait, ça n'est pas une utopique aujourd'hui, mais sa madame-là, quand il a des enfants, il est besoin de look after, il est besoin de suivre ses enfants-là de près. Il est besoin capable de transmettre sa iman-là. Quand sa maman-là, il a iman, il a la foi, il a ta croix, il est capable de transmettre sa iman-là avec ses enfants-là. Quand dans la case, sa madame-là, il a une responsabilité envers ses enfants, comment elle a besoin d'élever ses enfants-là? Comment elle a besoin de prendre compte de ses enfants-là? Qu'il n'y a pas payé quelque chose qui n'a pas besoin de la télévision, qu'il n'y a pas de place qui n'a pas besoin. Quand sa maman-là a payé, comment ça fait là pour habiller les personnes dans la case? Il connaît comment elle a besoin d'habiller, maman-là, il connaît comment elle a besoin d'habiller d'après Sharia. Il n'y a pas pour les certifier sortir comment gagner. Quand il y aller, quand il est content, il n'y a pas pour laisser aller. Il vous demande, il vous pose des questions. Alors, sa responsabilité de une maman dans la case, connaît que moi, pas même ça dit, n'a dans la case là. Aussi, c'est responsabilité d'une madame dans la case. Responsabilité de la femme musulmane dans cette société. Quelle responsabilité de la femme musulmane dans cette société et surtout dans une société qui ne peut vivre aujourd'hui avec tant de libertinage, avec tant d'immoralité qui est présente dans la société qui nous était actuellement, qui est responsabilité de la femme musulmane. La femme musulmane, c'est un symbole de décence, c'est un symbole de pudeur, c'est un symbole de modestie. Il n'est pas pareil comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec son Nabi, « Ya ayyuhan Nabi, قل لأزواجك ولبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô Nabi, dis avec ou ban épouse, dis avec ou ban tifi, dis avec madame de ban croyant, dis avec ban croyante, يدنين عليهن من جلابيبهن. Qui je te mets de jilbab, qui je te mets de un linge qui pas fait forme, je te l'écho. Sa femme musulmane qui vraiment une iman, dans ce vêtement, les différencier avec les autres. Dans l'époque, Jimon, madame, peut marcher d'une façon qui c'est 10-25% de l'écho qui couvert. Sa femme musulmane, elle est sur l'écho, elle est couverte comme Allah subhanahu wa ta'ala. Elle invite les autres vers la moralité. Ça, c'est du voir. Ça, c'est de pas seulement avec la bouche. Elle invite les autres vers l'islam avec sur la bouche. Pas sur façon de vivre. Pense au comportement, pense à la marge dans la société. Sa madame musulmane là, l'IP commande respect. Le fait du monde respecter lui. Pense à l'habillement. Aujourd'hui, dans l'Europe, on peut dire qu'il y a niqab, burqa, ça c'est un instrument d'oppression de la femme. Imbécile, comment je l'étais. Hommes avec hommes capables de mourir. Ça correct ça. Femme avec femme capable de mourir. Tout cas, t'es mal propté, capable de sa madame qui peut habiller bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou les, ça n'est pas d'accord, ça. Ça a un danger pour lui, ça. Pour montrer où, qu'appelle la bassesse.
Et nous dire Alhamdulillah, Allah Ta'ala de nos iman. Depuis ça, Allah subhanahu wa ta'ala compte à nous beaucoup. Ne pas connaître quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala compte à nous. Nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous payons la honte pour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala qui guette nous, qui trouve nous. Ne pas connaître. Ne pas connaître comment Allah Ta'ala choisit à nous pour donner nous ce message là. Ça la vérité là avec nous. Mais seulement nous tapons coupé là-dedans. Et nous tournons les doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala ce message. La femme musulmane, c'est un symbole de pudeur pour ce iman. Rasul alayhi wa sallam dit Al-haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur, c'est une branche de iman. C'est comme ça qu'il nous peut élever, inculquer ça à la magnifique qui peut élever. Inculquer la pudeur à sa magnifique là. Depuis petit, ça a besoin de finir mettre ça dans mes enfants. Comment pas habiller dans un musulman, il n'y a pas droit à contact avec une fille. Et pas qu'on a contact avec un garçon étranger qui n'est pas dans pour lui. Tout cela, c'est une instruction qui nous besoin fini informe nos bons enfants. Une fois, dans Namaz, madame, je fais Namaz Fajr avec Aisha, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis al Masjid, Namaz Fajr avec Aisha. Je tiens, elle l'a écouté du monde pas trop zut. Fin arrivé, une fois qu'il ban madame, puis mélanger avec un bichet dans ses mains, quand Namaz est fini. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya Nisa, oh ben madame, istakhirna, reste à l'oeil, laissa la kunna an tahkukna tariq, fallait pas que je te mange au milieu dans ses mains, alaykunna bihafati tariq, je te disais reste dans le coin, mange dans le coin. » Ça rapportait de ce hadith là, Abu Sa'id al-Khudri, il dit depuis le moment que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit sa parole là, « Ben madame, tu fais manger en telle façon dans ses mains, que je te laisse, tu peux mailler avec mirail. » Je te laisse, tu peux mailler avec mirail. Je veux dire, avec, je veux respecter l'ordre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. De tu peux éviter pour mix avec ban michi. Aussi, Aisha radiallahu anha dit dire, Lamma anzal Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Lorsque Allah fin révèle le verset, qui ban madame met je te khimar et je te couvre la poitrine. Khimar est un vêtement qui prend des vélos à la tête et il descend, il couvre sa madame là sur l'écho. Il pas fait ça l'écho là, fait faux. Lorsque Allah finit révéler sa verset là, les dia, ban madame, ban muhajirat, ban émigrante, ban sahabia qui fin quitte Makkah, fin se vivre une Madina, la cause iman, la cause islam, je fin déchirer ce ban vêtement qui sont déjà énables, je te couvert, je vais dire, je parti dire un, mais à l'écran, il descend, je dis, mais Jimmy, nous parle magasin, nous parle road lens, là, nous parle coup de rima, nous parle coup de jilbab, nous parle coup de hijab, là, nous vous mettez. Non, tout de suite, ça qu'il y a dans la case, prend déchirer une façon qui est capable de mettre le jeu. Pour se couvrir, je te couvrir, Allah ou les je t'ai envie de couvrir. Ça, c'est façon qui dîne à l'islam, fait une protège la femme. Et madame, ce n'est pas un objet de plaisir. Aujourd'hui, quand on guette dans la télévision, on guette dans la publicité, si elle vit la femme, comment dire, un objet de sensualité. Dans tout produit qui est capable de venir, un loto, un soulier, un shampoing, tout à fait, bizarre, une madame indécente. Hein, si elle vit, ça mal, parce qu'il fait. C'est un expert qui fait sa bonne publicité là. Je finis à étudier psychologie de Ndjimoun, un monsieur sur psychologie. Ndjimoun y a tiré. Il a tiré avec l'écho de madame. Ça, Allah, là, il y a une affaire naturelle ça. Il mettait dans les pieds ça, Ndjimoun. Ça, sexe opposé, il y a tiré vers l'autre. La cause, ça, il y a peuplement. Sinon, il ne s'en pas pour peupler. Je ne servis ça pour vendre mon objet. Veut dire quand il a sa photo là, naturellement ça demande là ce regard pour lever pour lever de sa petite chose là. Ça pour attirer lui, ça pour faire lui content sa petite chose là. Ça servit la femme pour faire toute qualité publicité, servit lui à une fin commerciale. Alors qu'ici dit dans l'islam, peut dire nous, que nous, la femme, c'est un humain qui vous êtes respecté. Fallait pas qu'il y ait un regard tout ban étranger, ban du monde qui jette l'écho, jette l'écho plein avec chahwa, avec passion. Avec ma obsession, un service à madame là. Comme un imam qui est d'Australie, maintenant tu dis qu'il y a un problème. Déjà aujourd'hui, ma madame devine comment dire, la chair qui est exposée dans un bazar. Mais il n'y a pas une cause mentie. Quand vous guettez, il est comme ça. La vie vient comme ça. Et ça même qui, aujourd'hui, quand nous tifions les gazelles de la télévision, dans sa société qu'il peut vivre là, ça même qu'il peut trouver joli, ça même qu'il dit monde peut donner grandir, peut content. Lui aussi pareil, il va faire une gagne d'éducation islamique. Papa ou bien son michi pas fait une transmettre le message. Il partira avec sa même mode de vie. Il est beaucoup content ça qui te fait ça. Il pas beaucoup de responsabilité. Alors donc là nous trouver
qui ne vous a fait attention à sa madame musulmane là, c'est un symbole de pudeur. Pas ce comportement, il invite les autres, il invite les autres vers la lumière, vers la guidance, vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, il est très important. Et aussi, il est très important, madame, je gagne connaissance de ce din. Gagne connaissance de ce din et apprendre ce din afin qu'ils soient même capables de protéger les enfants et de devenir un modèle pour les autres. Donc, en bref, ça, c'est rôle de une madame, sur une responsabilité. Ici, il ne fallait pas qu'il y ait une madame mal prend lit qui nous peut dire tout qui ne se pas bon pour madame. Non, en premier, il y a un monsieur responsable. Alors, ce moment-là, il donne toi, monsieur. Toi, un époux, toi. Si tu n'as pas guetté, qui te madame peut faire, tu n'as pas responsable juste pour donner joli linge, pour donner amener promener, tu n'as pas responsable pour donner iman, pour donner l'éducation islamique. Sa responsabilité premier le ban miché. Si aujourd'hui, dans nos communautés, dans la communauté musulmane, il a l'indécence, en premier, c'est sa papa là qui est responsable, en premier, c'est sa miché là qui est responsable. Toi, tu pénaliser toi, Allah pas donne toi iman, quand tu dis là, il a rien de l'autre, quand tu gagnes jannat comme ça même, un contrat que tu peux faire avec Allah, pour te respecter Allah sur la loi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Il n'a pas de nature un croyant, une croyante, quand Allah fait décider une petite chose pour qu'il y ait encore le choix. Alors toi, Michel, quand tu es marié, tu es dans le masjid, tu fais khutba nikah, tu as une parole, malheureusement, bien souvent, nous ne comprenons pas ce qui veut dire khutba nikah. Imam Allah, il dit qu'il y a des en arabe, il ne comprend pas ce qui veut dire, Michel n'a pas de comprendre qu'il est marié, qui veut dire prendre une fille de sa responsabilité. Tu responsable, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O bankina iman, protégez-vous et votre famille depuis jiffer l'enfer. Tu pas juste responsable pour le matériel, le bien-être matériel de madame. Tu as besoin qu'il akhirat de madame aussi pareil. Tu as besoin qu'il akhirat de tifi aussi pareil. Guetter quand il peut aller, quand il quitte la case, connaître quand il peut aller. Pas tu viens de la police, non. Mais quand grand 10 enfants là, pour qu'il lui-même il ait une conscience. Il y a un iman dans lui, il connaît qu'il y a un Allah qui peut guetter lui. Sa responsabilité, Miché. La cause, nous, Miché, nous faisons faillir. Nous pas faisons une descente, nos responsabilités. La cause, c'est que nous, madame, peut mos indécent dans le chemin. Le Jifi peut faire tout cas tes images dans beaucoup de choses qui sont arrivées. La cause, dans la case, papa, pas fait qu'on prend ses responsabilités. Car là, ce matin, il fait nous prendre conscience et nous dire, avant qu'il est trop tard, la vie, il coûte. Les temps qui restaient pour nous vivre. Là, avant que tu commences à causer, ça a un état qui nous traverse là, un état de nous la vie qui nous traverse là. Combien de temps qu'on a pour aller pas connaître Allah, Allah même connaît. L'amour, il est là. Il y a une réalité qui personne ne peut démentir. Lui-même, qui a fait, il connaît. Alors, prends conscience, pas vivre de raflette. Waltandur nafsum ma qaddamat li ghad. Qui chaque âme, l'igaité qui lui fait réserver pour le lendemain, pour l'avenir, devant Allah ce matin, devant le Créateur, celui qui vient de nous, tout ça, une faveur, une ni'mat. Nous peut causer, l'IGE bon, l'armée bon. Qui vient nous servir tout ça là dans futilité? Qui vient nous servir ça l'IGE là dans futilité? Qui vient nous servir ça l'école là dans place qui pas besoin? À l'aide de, il y a combien peut dormir au lit, pas peut avancer. Ça l'école là, qui fait nous prendre les dans une place qui est là pas content. Ça l'IGE là qui fait nous peut quelque chose qui est futile, alors qu'il y a combien de monde qui est aveugle peut l'IGE. Ça la langue là qui fait nous servir pour causer quelque chose qui pas besoin, alors combien qui, Allah n'a pas fait une capacité pour causer. Tout ça, n'y a pas depuis Allah, ne peut morcer avec facilité, ne peut dormir, t'as l'air de tout manger, ventre plein. Alhamdulillah, pays n'a aucun danger. À travers le monde, combien de bombes éclatées, du monde peut mourir, peine à manger. Là, c'était là, combien de monde se vend vite, peine à manger. Tout ça là fait nous réfléchir, chers frères, sur l'islam. Dîner à l'islam, ne pas pour gagner comme ça, même sans le sacrifice. Bien faire sacrifice, bien la guerre contre sa passion là. Moi, il y a un défaut dans moi, il y a un péché qui m'a habitué à faire. Moi, écoute une causerie, moi, je comprends, moi, je gagne le message. Fais des efforts à se dire. Fais du mal avec Allah, Allah qui a Allah, la source de toutes les puissances. C'est lui qui vous donne nos capacités pour mettre en pratique ça qui nous fait apprendre. Excuse-moi, nous fait prendre.